Bonjour à toutes et à tous, c'est la rentrée, bonne rentrée à toi. C'est donc l'occasion pour moi de te parler un petit peu, de faire une vidéo face caméra où je fais un point sur la chaîne, un genre de bilan, et de t'exposer la suite des événements et les projets pour moi et la chaîne. Ça fait maintenant un peu plus de 3 ans qu'Avo Baguette a vu le jour. L'aventure avait commencé avec les 10 premiers exercices de pad. Et comme tu as pu le constater, si tu me suis depuis un moment, les choses ont déjà pas mal évolué depuis. J'ai commencé à réaliser ces 10 premiers exercices de pad, je faisais ça dans un coin de ma chambre, dans mon ancien appartement. Et maintenant, j'ai mon studio de musique où je peux donner mes cours et tourner les vidéos avec beaucoup plus de facilité. Il y a donc eu pas mal d'évolution, une belle évolution à ce niveau-là. Depuis plus d'un an et demi, j'ai aussi fait l'acquisition de ma belle batterie, là juste derrière moi, là, ma batterie Lutscher. Et c'est toujours un immense plaisir de jouer dessus et de collaborer avec Clément Lutscher, le fabricant de la batterie. Cette batterie, elle me permet de m'exprimer comme j'ai envie. Elle sonne d'enfer et en plus, elle a un côté photogénique indéniable. Tu trouves pas, non? C'est important pour moi de jouer sur un instrument qui fasse partie de l'identité de la chaîne et qui soit adapté à mes besoins, mes contraintes. La Lutscher Drum Company me l'a réalisé. En souvenir du bon vieux temps, je te propose à la fin de la vidéo un nouvel exercice de pad. Un exercice rapide, spécial rentrée pour désengourdir la main gauche et la remettre à niveau pour le reste de l'année. Donc si tu veux aller directement à l'exercice, clique sur le bon chapitre en bas de la vidéo. Je me pose aussi devant cette caméra aujourd'hui, car c'est vrai que je donne pas beaucoup de nouvelles sur les réseaux. Je vous tiens au courant des vidéos que je fais, mais bon, je suis pas du genre à trop étaler ma vie privée. J'essaye d'être présent, mais c'est pas ce que je fais le mieux. Alors je prends le temps aujourd'hui de faire ça bien, avant de reprendre les vidéos de cours. La première chose importante que j'ai à te dire, c'est un grand merci. Merci de me suivre et de me soutenir. Avo Baguette a dépassé les 1000 abonnés sur Instagram et sur YouTube. Une barre symbolique franchie dans ces deux réseaux sociaux. Donc merci à toi, à vous. C'est pour moi un signe incontestable que je ne fais pas ça pour rien et que tu apprécies mon travail. Alors oui, le chemin vers la monétisation des vidéos est encore long. Car pour l'instant, qu'une seule des deux conditions YouTube est atteinte. C'était le fait d'atteindre les 1000 abonnés. La deuxième, c'est générer 4000 heures de visionnage sur 12 mois. Non, c'est pas gagné. Surtout que, comme tu le sais, je n'ai pas une fréquence de publication rapprochée et régulière. Mon travail de professeur en école de musique et en indépendant remplissent déjà bien mes semaines. Je m'occupe donc d'Avo Baguette quand je retrouve un peu de temps libre. Je vais néanmoins essayer de publier un peu plus cette année. Nous verrons bien si j'y arrive, hein ? Aussi, je veux profiter de cette vidéo pour remercier infiniment les donateurs sur ma cagnotte enparticipe.fr. Vous étiez un certain nombre à m'avoir fait un don dans le but d'investir l'argent collecté dans du matériel afin d'améliorer la qualité des vidéos. Après une grosse année, onparticipe.fr m'a demandé de récupérer l'argent, sinon il fermerait la cagnotte. Il n'y avait plus trop d'activité sur la cagnotte et donc au bout d'un moment, ils m'ont demandé de virer l'argent sur mon compte. J'ai donc récupéré la somme collectée et j'ai pu acheter un micro-cravate, que j'utilise actuellement d'ailleurs, hein, pour améliorer la captation de la voix. Et aussi un projecteur pour pouvoir mieux contrôler la lumière dans le studio lors des tournages. Le projecteur est aussi installé et en fonctionnement actuellement. Ainsi, je le répète encore, mais merci pour cette aide précieuse, étant donné que la chaîne ne me rapporte encore rien financièrement parlant. La cagnotte est toujours ouverte, donc si tu souhaites m'aider, n'hésite pas à faire un don, n'importe quelle contribution sera la bienvenue. Des projets d'amélioration sont toujours dans ma tête, évidemment. Comme un nouveau micro pour améliorer la prise de son de la batterie par exemple, et pourquoi pas aussi un autre boîtier photo qui me permettrait d'effectuer des tournages en multicam. Bref, ce ne sont pas les idées qui manquent, t'as vu? Le lien de la cagnotte est en description juste en dessous de la vidéo. À l'avenir, je citerai les donateurs lors d'une prochaine vidéo, et puis ils apparaîtront aussi dans une de mes stories à la une sur Insta. Après cette vidéo, je compte évidemment réaliser de nouveaux cours. Mais la nouveauté de cette année sera des covers. Bon, je n'avais pas créé cette chaîne dans le but de faire des covers et de me mettre en scène en train de jouer, mais je me suis dit que ce serait finalement une bonne idée. Ainsi, vous pourrez mieux me découvrir, me connaître, et moi je pourrais mettre en valeur ma belle batterie. Donc des covers sont à venir très bientôt. Autrement, si tu as des idées de sujets de cours que tu aimerais que j'aborde dans des vidéos, eh ben tu peux me les donner. Ce sera avec plaisir que je répondrai à ta demande.
Sinon, sache que tu peux me contacter sur les réseaux si tu souhaites venir en stage pendant une ou deux journées pour apprendre à mes côtés. Voilà, j'organise ces stages pendant les vacances scolaires généralement et je peux même te proposer des formules avec hébergement pour que ce soit plus facile pour toi et plus pratique. Dans les projets à venir, j'aimerais aussi finaliser la création d'un site internet à vos baguettes. L'idée est de créer une plateforme pour centraliser toutes les activités de la chaîne. On pourrait télécharger les partitions des exercices de mes vidéos par exemple, ou réserver des cours ou des stages justement. Bon, la création du site, c'est un gros morceau qui prend quand même beaucoup de temps et qui demande aussi des compétences que je n'ai pas forcément. Donc il faut encore un petit peu de patience pour que le projet voie le jour. J'ai vraiment ça en tête, donc j'espère pouvoir te proposer cela bientôt. Bon voilà, j'ai fait le tour des petites choses dont je voulais te parler et qui me tenaient à cœur. On va pouvoir maintenant passer à l'exercice, comme promis en début de la vidéo. C'est donc un exercice spécial rentrée, spécial main gauche. Ça va être redoutable pour booster ta main faible et la remettre au niveau de ta main forte. Les gauchers, vous inversez évidemment et vous faites ça pour la main droite. Le principe est plutôt simple, le motif rythmique c'est 4 doubles croches suivi de 2 croches. Donc ça va, c'est pas trop long. Et on répète ça. Donc on va compter 1, 2, 3, 4, 1 et. 1, 2, 3, 4, 1 et. Vraiment, on fait tourner juste ces motifs de 2 temps. Sur les doubles croches, on va alterner entre friser et rouler. Donc sur les 1, 2, 3, 4, sur les doubles croches, on fait un coup du friser et un coup du rouler. Enfin, pour un travail encore plus efficace, on va accentuer les croches. Donc 1, 2, 3, 4, 1 et. On va accentuer les croches pour vraiment faire travailler les poignets encore un petit peu plus. Voici la partition de l'exercice pour que tu piges bien. Encore une fois, je me répète, la subtilité, c'est d'alterner sur les doubles croches le frisé et le roulé. Vraiment d'alterner une fois avec les doubles croches en frisé et une fois en roulé. Je te montre ça, je te fais une petite démo à plusieurs tempi pour que tu vois bien ce que ça donne. Et voilà, bon, tu as bien compris? C'est pas bien compliqué, mais il fallait y penser. Articule bien tous les coups et en favorisant les poignets plutôt que les doigts ou autres. Aussi, reste bien relâché. Évite les crispations pour un travail vraiment efficace. Tu peux aussi travailler à plein de tempo. Là, je t'ai montré à 100, 130 et 160, mais tu peux partir de plus lent et aller aussi, bien sûr, plus rapidement si tu en es capable. Allez, à nouveau, une bonne rentrée à toi. On se retrouve dans une prochaine vidéo, donc d'ici là, travaille bien et à vos baguettes!